So to continue on the funding side, we have the pleasure to welcome Taro Huguen, Philippe Colombel, Nicolas Dufourcq, and Fabrice de Godemar. And we will discuss around the first Taro, and then he'll discuss about the study he did around the financing of the European digital startups, and then how to fund innovation in 2014 in Europe. Thank you. Okay. Hi. I have initially I had slides, but I will try to do without them. Basically, I'm going to do a very small introduction on the subject. I am actually going to talk to you about the most difficult job in the world, and the most difficult job in the world is it's not about being an investor. Sorry. It's actually my job. I work for France Digital, and that's not why it is actually difficult. In 2013, the European Commission has asked us to map the European investment activity of venture capitalists and business angels, and that's a very difficult mission. We had a couple of friends to help us in doing that: European Investment Fund, EY. Clipperton, and in the end, we managed to meet 50 investors, professional investors, in 7 countries, and we will be issuing a report in July 2014 to the European Commission. Now, I will invite on stage Philippe Colombel, Nicolas Dufourcq, and Fabrice Godemar. Thank you for coming. Could you introduce yourself very rapidly, just an elevator pitch on your structures and on yourselves? Okay, I am Philippe Colombel, managing partner of Partech Ventures. We are in fact the largest venture fund in France, managing currently 2 early stage funds, one seed fund of around 35 million euros, and an early stage fund of 160 million euros. We are the only French fund with an active presence in the Silicon Valley. We invest around 25% of our deals in the Silicon Valley, and we are de facto the oldest VC operating in Europe. Bon, on va peut-être repasser en français pour le reste de la table ronde. Ça vous dérange pas, en fait? No problem. Donc Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France. BPI France, c'est une drôle de machine qui fait pas mal de choses. En equity, nous investissons dans toutes les thèses d'investissement depuis l'amorçage jusqu'au très gros ticket stratégique. On a une activité de fonds directs qui est assez nourrie, avec environ 250 professionnels, une des plus grosses sociétés de gestion française. Une partie de ces professionnels étant d'ailleurs en région pour investir dans les PME françaises, au plus proche du terrain. On finance tous les fonds d'amorçage français et une très grande partie des fonds de capital risque français. On a dans notre activité fonds de fonds une centaine de fonds de capital risque en portefeuille. On finance par tech, bien entendu, avec plaisir et joie. On y reviendra tout à l'heure sur notre doctrine d'investissement. Et à côté de cela, nous sommes une banque des PME, des ETI, des TPE aussi, où nous accordons chaque année, directement et indirectement, à peu près 25 milliards d'euros de crédit. Bonjour, Fabrice de Godemar, je suis au directoire d'Euraseo. Donc Euraseo est un autre animal
un peu multiples. C'est la première société d'investissement en France. On a un bilan d'à peu près 4 milliards d'euros investis dans 4 stratégies, une stratégie immobilière et 3 stratégies de capital investissement. Une sur des grosses sociétés, plutôt des grosses ETI, et 2 sur des PME, une sur des PME plutôt matures dans lesquelles on les aide à se développer à l'international, et une que je dirige et que j'ai créée qui s'appelle Euraseo Croissance, et dont l'objectif c'est de faire du capital développement de croissance sur des sociétés innovantes ou du late stage venture. Là, on y reviendra, la frontière étant un peu difficile à définir. Et là, on investit, on essaie d'investir environ 100 millions d'euros par an dans des deals entre 20 et 50 millions d'euros. Merci. Pendant le tour d'Europe que j'ai fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème qui est en fait pan-européen, mais qui est aussi surtout français. Je me suis rendu compte que l'écosystème de financement en France est assez déséquilibré et qui ne permet pas, au jour d'aujourd'hui, de produire des leaders mondiaux. Nicolas Dufour, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat-là? Est-ce qu'il y a suffisamment de capitaux pour faire de la vraie croissance et arriver à faire plusieurs critères, par exemple? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a maintenant en France un tissu extrêmement maillé de structures de financement, de fonds, d'aide à l'innovation. Enfin, c'est extrêmement profond, hein. Donc si vous avez une bonne équipe, un bon produit, c'est franchement difficile de ne pas trouver d'argent. Alors, il est vrai qu'il manquait, et vous avez là sur scène, au fond, les trois grands fonds de growth venture français. Il manquait ce segment-là. Hein. C'est le segment à la californienne où vous injectez dans des entreprises des levées, des tickets qui sont pratiquement supérieurs au chiffre d'affaires de la société pour lui permettre de devenir mondial et d'exploser avec des ambitions à la californienne. Il manquait ça, on l'a fait. Donc nous, on a créé le fonds Large Venture, qui est un fonds de 600 millions d'euros, qui investit ce genre de ticket-là. Partec a levé un fonds, est en train de lever un fonds pour le faire, enfin, Philippe va le dire, et on contribue beaucoup à cette levée-là, et Euraseo le fait également. Maintenant, je pense qu'on peut considérer que on est équipé. Ce qui nous manque en France, c'est la psychologie, c'est-à-dire la tête dans les étoiles d'entrepreneurs qui se disent « je ne m'arrêterai pas tant que ma société ne fera pas 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires ». C'est ça qui nous manque encore, mais c'est en train de venir. Et ceux-là, je peux vous dire que quand on les trouve, on leur dit qu'on les accompagnera jusqu'au bout. Il faut qu'ils soient bons, il faut qu'ils aient un tableur Excel dans la tête, qu'ils sachent compter, qu'ils aient du charisme, il faut qu'ils aient toutes les qualités. Mais quand on trouve ce genre d'ambition-là, notre rôle, c'est de les financer, si nécessaire, pendant les 15 ans qui viennent. Donc je lance un appel aux entrepreneurs pour qu'ils aient la tête dans des étoiles californiennes et pas des étoiles françaises. C'est un peu le grain de folie dont vous parliez hier, ouais. Nicolas. Moi, de mon constat, quand j'ai créé Euraseo Croissance il y a 3 ans, c'est que ça n'existait pas. On manquait cet étage-là de la fusée, mais la conséquence de manquer l'étage de la fusée, c'est que le reste, et je pense que Philippe me parlera de son propre expérience, n'ayant pas de débouchés pour les sociétés au-delà d'une certaine taille, les investisseurs dans les tours précédents n'osaient pas avoir des stratégies très agressives à la californienne, dans lesquelles on va continuer à investir très fortement avant que les résultats n'arrivent. Parce qu'on se dit, dans 5 ans, dans 7 ans, il va falloir que je vende ma part. Et à qui? Et si je n'ai pas réussi à avoir une boîte qui est déjà profitable? Donc on a eu, pour moi, une culture encore en France, dans laquelle on cherche un peu trop vite à avoir des boîtes très vite profitables. Et donc, on va réduire notamment tout ce qui est commercial. Là où les Américains vont mettre des tonnes d'équipes commerciales ou ouvrir des pays très vite, quitte à faire des pertes encore pendant un petit moment. Est-ce que justement là-dessus, du côté de l'industrie financière, il n'y a pas une tendance à partir d'un certain niveau de maturité de l'entreprise, à se sécuriser un peu et à empêcher ou pas l'entreprise d'investir vraiment dans la croissance? Alors, moi, je voudrais juste prendre un petit peu de recul. Votre constat est vrai jusqu'à un peu un changement de doctrine avec la création de BPI et aussi le rôle de FEI. Moi, j'ai été notamment avec Ininvest, on était sur Dailymotion.
on a mis 50 millions en early stage dans Dailymotion, et à ce moment-là, il n'y avait plus personne derrière nous. Et vous vivez très mal quand vous avez 3 semaines de cash dans une boîte comme Dailymotion. À ce moment-là, il y a eu la création du FSI, et c'est vraiment l'intervention du FSI qui a sauvé Dailymotion en apportant le financement complémentaire, en croyant à l'aventure industrielle. Depuis, le monde a changé, et comme le dit Nicolas, il faut des entrepreneurs ambitieux, mais il faut des VC ambitieux. Et je pense qu'il y a un vrai problème aussi culturel dans l'industrie du VC, c'est-à-dire que beaucoup d'entre nous gèrent leur fonds de VC comme une franchise, quasiment un cabinet de notaire, je fais une levée toutes les 4 ans, et tout ira bien. Nous, l'ambition qu'on a chez Partech, c'est qu'on a créé un fonds de seed, il a fallu recruter un partenaire qui a du talent, il faut partager le pouvoir, on crée un fonds de large venture, on recrute 3 partenaires, dont un américain qui ont beaucoup de talent, il faut partager le pouvoir, il faut aussi que les VC deviennent des entrepreneurs. Paradoxalement, je pense qu'on a de plus en plus d'entrepreneurs capables d'atteindre les milliards d'euros et qui ont la volonté d'atteindre les milliards d'euros. Il faut juste qu'ils aient la certitude, et l'initiative de BPI, le fonds d'Euraseo, sont un début de garantie du fait que s'ils ne sont pas tout de suite profitables, eh ben, ils vont quand même trouver les 20 ou 30 millions qui vont pouvoir leur permettre d'accélérer. C'est ça aussi le message qu'il faut véhiculer aujourd'hui. Il y a possibilité de trouver 30 ou 40 millions sur le marché européen. Moi, j'ai une stat. Il y a 10 boîtes par an, 10 boîtes par mois qui lèvent plus de 10 millions en Europe. Sur ces 10 boîtes, elles sont à 65% financées par des VC américains. Donc le problème, il est français, mais il est globalement européen aussi. Et je crois que cette culture de VC, c'est aussi une culture des entrepreneurs, parce que j'espère qu'aujourd'hui, dans la salle, on a beaucoup d'entrepreneurs qui vont avoir l'ambition de trouver les bons produits pour faire ce milliard d'euros dont on parle. En revanche, moi, j'ai aussi régulièrement eu des entrepreneurs qui cherchaient plutôt à se créer une boîte familiale qui soit rentable pendant toute leur vie, leur paye à la fois un style de vie confortable et le pouvoir d'être entrepreneur et d'être son propre patron, c'est un vrai plaisir. Donc conserver ça plutôt que d'essayer d'aller encore plus loin, plus fort et finalement continuer à prendre des risques alors qu'ils avaient passé une phase très difficile de la création et de la sécurisation de l'entreprise. Donc c'est tout l'écosystème qui doit faire ça, les VC, enfin les entrepreneurs comme les financeurs. Et au-delà de ça, j'ai vu également des leveurs de fonds, par exemple s'il y en a dans la salle, qui sont venus nous voir en disant que la boîte levait 10 millions d'euros. Alors, ma première question étant, pourquoi vous levez 10 millions d'euros? Et la réponse était, parce qu'on pense que c'est le seul argent qu'on peut lever. Il n'y avait pas de raison. Et donc, nous, la deuxième question, c'est, mais si vous en aviez 20 ou 30, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça change quelque chose dans votre création de boîte, la croissance? Est-ce que vous vous développeriez différemment? Et alors, il y a des cas où ce n'est pas le cas, il y a des cas où ça ne change rien parce qu'il faut d'abord construire, il y a des cas où ça change dramatiquement la donne et on peut construire. Donc ça nous arrive assez régulièrement de construire un business plan avec un entrepreneur une fois qu'il sait que cette opportunité lui est offerte. Mais rapidement, est-ce que vous pouvez nous expliquer les deux types, les deux grands types de fonds de growth, de croissance qui existent? C'est-à-dire ceux qui investissent, d'après ce que j'ai compris, dans des entreprises qui sont déjà profitables et ceux qui investissent dans des entreprises qui ne le sont pas forcément encore et qui misent finalement sur le futur. Quelqu'un m'a fait une remarque l'autre jour à San Francisco que j'ai trouvée extrêmement intéressante parce qu'elle était presque géopolitique. Il disait, on part de l'Asie, on parcourt le monde et on arrive en Californie. Comment le comportement du VC change-t-il? En Asie, pratiquement pas de VC, déjà. On arrive en Europe. En Europe, on a des VC qui valorisent les entreprises en multiples d'EBITDA, jamais en multiples de revenus, et en plus en imposant des milestones hyper exigeants de profitabilité à court terme, mais quarter par quarter. Hein, donc une obsession de la rentabilité court terme qui fait qu'en réalité, l'entreprise a les ailes un peu coupées pour se développer mondialement. Et plus on va vers la Californie, plus cette tendance s'atténue, et enfin on arrive au paradis californien où on est en multiple de revenus. Et New York, entre les deux, entre précisément l'Europe, qui est une place quand même encore conservatrice, comme tu le disais, et la Californie, New York est intermédiaire, c'est-à-dire est toujours encore un peu dans la culture du multiple d'EBITDA,
mais beaucoup moins exigeant sur la temporalité des milestones. Hein. Bon, donc ce qu'on a voulu faire, nous, avec le fonds Large Venture, c'est un fonds californien. Et donc on le dit très clairement. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on fait énormément de biotech. Il n'y a probablement pas beaucoup d'entrepreneurs de la biotech dans la salle aujourd'hui, hein, même probablement pas du tout. Mais vous n'êtes pas sans savoir que sur la biotech, il faut accepter des années et des années de pertes avant d'avoir une chance de dégager un minimum de profit et des effets multiplicateurs. Aujourd'hui, 65% de notre pipeline sur le fonds Large Venture, c'est de la biotech ou de la medtech. Hein. Voilà. Et ce qu'on fait, certains dans la salle le savent puisqu'ils ont été financés par nous, c'est que nous approchons maintenant le digital comme la biotech. Voilà. C'est-à-dire que la biotech, il y a des tabous mentaux qui sont tombés depuis longtemps. Il fallait qu'ils tombent, sinon le secteur n'était pas finançable. Dans le digital, ces tabous sont en train de tomber en Europe, en tout cas chez nous. Moi, j'avais une question aussi par rapport au fait, on en parlait tout à l'heure, on avait l'impression que l'industrie, finalement, early stage, était un peu trop petit bras en France, et que ça créait un gap entre le early stage et la possibilité de se faire financer en late stage. Est-ce que, finalement, l'atomicité de l'industrie française du early stage engendre, et donc une taille de fonds qui est moindre, engendre ce côté petit bras ou pas? C'est une question que je me posais. C'est vrai, enfin, j'allais dire c'était vrai, parce que je pense qu'il y a un changement de doctrine des acteurs publics. Il faut bien se rendre compte que c'est un sujet extrêmement compliqué. Le VC européen, et pas français, le VC européen vit sous perfusion d'acteurs publics. Le FEI, la BPI, qui est une glorieuse exception, l'Allemagne n'a pas ce dispositif. Dans les années 2000-2005, ça a sauvé l'industrie. Et pourquoi la France a une industrie early stage beaucoup plus dynamique que l'Allemagne? C'est parce que la BPI a accepté de financer des fonds qui n'étaient pas rentables à l'époque. Quand vous êtes un acteur public, c'est extrêmement difficile, dans un premier temps, de dire « je vais être très sélectif ». Vous êtes en période de crise, il y a le feu, vous sauvez l'industrie, donc vous avez tendance à refinancer un peu tout le monde et vous dispersez l'argent. Et une fois que la crise est passée, bah, les performances parlent et je pense que l'acteur public est beaucoup plus apte à être plus sélectif, c'est-à-dire à financer et à faire grossir des fonds les plus méritants. Il reste un vrai problème, hein. On n'a pas de fonds de pension. La plupart de mes collègues, nous c'est un peu différent, mais la plupart de mes collègues ont plus de 50% de leur financement qui vient d'acteurs publics. Donc il faut aussi que le secteur privé se mobilise. Et là, je dois dire que le gouvernement français a fait des choses extraordinaires, notamment avec la loi sur le corporate venture qui va permettre d'amortir et qui est sans doute une très belle incitation à faire des investissements en early stage. Est-ce que je peux confirmer ce que disait Philippe, donc je vais redire publiquement ce que j'ai pu dire il y a maintenant 9 mois devant toute la profession des fonds d'investissement français. Comme tu le dis très bien, l'histoire a commencé au début des années 90, donc mes prédécesseurs ont embrassé large, ont créé d'une certaine manière un écosystème. Aujourd'hui, on finance 100 fonds de capital risque. C'est trop. Et donc, j'ai annoncé qu'on souhaitait concentrer nos mises, qu'on souhaitait que les fonds eux-mêmes se réunissent dans des entités ayant une portance plus importante, capable de se faire connaître à l'international, avec des marques, du brand, capable par conséquent d'aller lever des fonds à l'étranger. Autrement dit, il nous faut en France une bonne dizaine de Partech, de Sequoia, etc. Et on n'en a pas assez. Voilà. Donc nous, BPI France, dans notre activité fonds de fonds, on sera de plus en plus sélectif. On peut l'être, comme tu l'as dit très bien, parce que maintenant, on a 96-2014, un paquet de millésimes qui permettent de mesurer le track record des individus. Vous savez bien qu'on ne finance que des individus, là. C'est des investisseurs. Ils ne sont pas tous bons. Donc on va sélectionner de plus en plus fermement. Et on va demander plus de rendement. Aujourd'hui, entre 1996 et 2006,
On s'arrête à 2006 parce que les millésimes ultérieurs sont trop récents. Le taux de rendement moyen, le TRI moyen de l'ensemble des investissements de mes prédécesseurs sur ces thèses d'investissement-là, il est de 2%. Il est de moins quelque chose sur l'amorçage, de l'ordre de 2 sur le venture et de l'ordre de 3-4 sur le capital développement des PME non tech en région. Donc très faible. Hein. Et ce rendement-là, il faut qu'on le fasse monter. Et on peut le faire monter, et c'est un service rendu aux investisseurs et aux entreprises que de le faire monter. Il ne s'agit pas de le faire monter à 15, hein, mais il faut le faire monter un peu. Donc si je comprends bien, vous prenez la création d'acteurs multimétiers, en fait, multistades d'investissement, dans une industrie qui est plus concentrée. Mais d'ailleurs, ça, c'est l'objet d'une question. Peut-être, Fabrice, tu auras un peu des éléments de réponse. Est-ce qu'en France, on a des équipes qui sont capables de porter la croissance, qui sont dotées de suffisamment de talents pour porter la croissance comme un fonds américain, par exemple ? Alors, je dirais que je suis sûr qu'il y a des talents. La question qui se pose quand on veut passer sur des boîtes d'un milliard d'euros, c'est qu'en fait, toute l'énergie qui a été dépensée au début sur la création du produit et sa commercialisation pour que les gens comprennent l'innovation qu'on apporte et en quoi c'est important, au bout d'un moment, si on veut devenir une boîte de plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires, on va entrer dans d'autres problématiques un peu plus internes, assez honnêtement moins drôles, parce qu'il faut apprendre à construire un comité exécutif, il faut être capable souvent d'être dans plusieurs pays, donc de continuer à gérer une boîte, non plus avec les 20 personnes qu'on a autour de soi et qu'on maîtrise humainement, mais avec une organisation. Il faut mettre en place des processus, il faut mettre en place de la finance, il faut mettre en place du juridique. Et tous ces éléments-là qui sont, par exemple, nous, dans l'ADN d'Euraseo, qui avons des ETI qui sont dans ce domaine-là, on apprend à nos sociétés à mettre en place ce type de structure qui est le garant que l'innovation va perdurer et qu'ensuite on va être une vraie boîte efficace et capable de se battre dans la bataille mondiale qui existe. Et donc en fait, il faut mélanger deux cultures, une culture de l'innovation que tous les VC ont tous les jours et une culture plus habituellement dans le private equity plus standard des LBO ou dans lequel on va regarder la structure, dans lequel on va s'assurer que les managers sont des gens professionnels. Donc les VC ont l'habitude de recruter à côté des fondateurs, des gens qui ont été dans des boîtes un peu plus grandes. Mais du côté de l'investisseur, ça va être le même mélange qu'il faut créer entre des gens côté innovation et puis des gens côté structuration. Et honnêtement, ce n'est pas simple puisqu'on a un peu deux mondes qui se rejoignent à ce niveau-là entre la culture de la création et la culture de la transmission et de la durabilité de l'entreprise. Je me permets de te poser une question parce que chez Euraseo, ton scope est français en tant que fonds de large venture ou acteur large venture. Est-ce que tu penses qu'on peut être investisseur avec un scope purement français et être un acteur de référence en large venture ? Alors, comme j'étais quasiment tout seul il y a 3 ans, j'avais aucun doute. Le deal flow, quand on fait de l'investissement, on regarde son deal flow, on regarde le deal flow naturel. Il n'y en avait pas de deal flow naturel dans ce segment-là, puisqu'il y avait très peu de gens qui visaient ce type de stratégie. Petit à petit, en revanche, moi je vois que ça change beaucoup, c'est-à-dire que des VC, des entrepreneurs sont en train de se dire je peux le faire. Donc il y a de plus en plus d'exemples qui sortent sur des sociétés qui veulent atteindre ce stade. Donc, quelque part, il y a beaucoup plus de possibilités. Je pense qu'à terme, on peut pas être juste français. Par contre, aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur le fait qu'on peut être, tant qu'on est 1, 2, 3, ça va à peu près. Si on regarde tous les secteurs, et donc pas que le digital, pardon. L'industrie également, on parlait de la biotech tout à l'heure, l'industrie demande beaucoup de capitaux, elle a beaucoup de mal à se financer, parce que comme c'est des temps longs, les barrières mentales dont parlait Nicolas sur le biotech ne sont pas vraiment tombées sur l'industrie. Donc quand on voyait WeThings tout à l'heure, qui est un peu à l'intersection entre de l'industrie et du digital, on est dans ce type de problématique où le moindre proto est en millions d'euros, donc les montants à investir sont gros, donc on va aller voir d'autres investisseurs. Donc je pense qu'il y a encore pas mal de... Il faut qu'il y ait encore pas mal de fonds créés par des investisseurs, la BPI, le FEI ou d'autres investisseurs de fonds, avant qu'on soit saturé sur la France. Maintenant, quand on regarde l'innovation, elle est mondiale, donc il n'y a pas de raison que ça soit que en France, qu'on peut la trouver un peu ailleurs.
Il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai rencontré des fonds de venture, c'est qu'il y a, il y a un esprit collaboratif qui est assez important. J'ai vu finalement assez peu de concurrence. Et là, quand on vous entend parler, on a l'impression qu'finalement, il y a de la place pour tout le monde, quoi. C'est-à-dire que l'industrie est tellement petite du large venture que finalement, on pourrait, elle pourrait accueillir une dizaine de fonds. Philippe, vous pensez qu'il y a, combien de fonds, il y a de la place pour combien de fonds et quelle taille de marché? Pour le moment, en Europe, il y a 5-6 joueurs. Il y en a un en France, donc, pour le moment, qui est sur scène. Il y a la BPI en direct. Il y a Iris. Donc, on peut dire en France, il y a 3-4 joueurs. Il n'y a pas de joueur allemand. Il y a un joueur belge-néerlandais. Moi, je pense qu'il y a encore de la place pour 5-6 joueurs en Europe. Et là, on aura un vrai écosystème. Mais il ne faut pas vous il ne faut pas avoir de fausses perceptions. C'est une vraie industrie de coopétition. C'est-à-dire que la compétition est féroce avant le deal et la coopération est évidemment extrême après le deal, puisqu'on a le même intérêt à faire de belles sorties. Donc, c'est une forme de compétition, certes très policée et civile, mais je peux vous dire que sur des deals early stage, il y a une bataille féroce pour gagner les deals. D'accord. Merci à tous. C'était une table ronde très intéressante. Merci beaucoup.